你们好，很准时。你好，Christian，你好吗？你好，Elisanda。你们今天怎么样？你好，Elen。大家好。你好，Ewan。C'est toujours les plus motivé. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, ni hao, Robert. Tintin, c'est bien. Ni hao, Jean-François. Hé hao. Wo neng kan dao ni de mingzi. Maintenant, je vois ton nom. Ni hao, Victoria. 很好，你好，Rodolphe，ça fait très plaisir de vous revoir tout cela ce soir. Ah, il y a quelqu'un qui est très chanceux et qui est tombé, qui est le premier à tomber sur le live. Ah, bah, très bien, très bien. Ni hao, Yann. Ah, j'espère que j'ai pas mal prononcé votre prénom. Ni hao, Alexandre. Ni hao, Jocelyne. Hen hao. Très bien. Ah, ni hao, Nicolas. Enchanté. Ni hao, Hervé. Alors, avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas encore notre du dimanche soir, je vous invite d'abord à liker et partager, si c'est possible, ce cours afin que plus de monde puisse connaître notre cours du dimanche soir. Ok, ni hao, Kadel. Bon, effectivement, votre message est plus rapide que moi. Alors, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Sia. Je suis professeure de chinois, d'ici chinois, en France depuis une année. J'aime enseigner ma langue maternelle et de transmettre toutes mes connaissances à plus de plein d'élèves passionnés de cette langue-là. Donc effectivement, si vous souhaitez de suivre des cours avec un professeur natif et d'avoir un suivi régulier pour que vous puissiez progresser semaine par semaine. Alors, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations sur mes cours pour le plusieurs niveaux. Donc, en fait, normalement, on suit le programme HSK. Effectivement, ce soir, en fait, il y a plusieurs élèves de mes classes sont présents. Donc, en fait, vous pouvez avoir plus d'enseignements sur notre site internet. Je vais juste afficher le site internet. C'est www.easychinois.fr. Ok, très bien. Très bien. Alors, ce soir, on va, avant de commencer, comme vous avez pu voir dans le titre de live de ce soir, donc on va voir comment construire une phrase en chinois. Effectivement, en fait, notre temps est très limité, seulement 30 minutes. Donc j'essaye de être très claire. Et on ne va pas forcément pouvoir parcourir sur tous les points. Et j'essaye de vous donner la première idée, comment construire une phrase simple. Et par la suite, dans les semaines à venir, dans les cours à venir, on va essayer de d'aller un peu plus loin. OK? Est-ce que ça vous va? Hen hao. Ni hao, Pablo. Hen hao. Très bien. Donc, je vais partager mon écran. Alors, je pense que plein d'entre vous, vous êtes plus débutants. Peut-être vous êtes en grand débutant dans l'apprentissage du chinois. Peut-être que vous avez déjà entendu parler comment la structure, la formule très récurrente pour construire une phrase en chinois, c'est comme vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est la première. Donc sujet plus verbe plus objet.
Ok? Donc ça, c'est assez simple à retenir, hein. Donc en fait, c'est un petit peu comme la langue française. Donc en fait, par exemple, hein, je dis je bois de l'eau. Hein, donc c'est sujet, verbe, objet. Ok? Le complément d'objet. Hein, donc l'eau, c'est l'objet. Par exemple, j'aime la Chine. Donc c'est aussi ça répond à la pardon ça correspond à la formule sujet verbe objet effectivement. Donc dans certains cas entre la langue chinoise et la langue française en fait il y a pas mal de points communs. Néanmoins il y a quand même des particularités. Hein. Donc vous pouvez voir sur le deuxième formule donc effectivement ce sont des phrases qui sont faites avec des adjectifs. Ah, effectivement, en chinois, on utilise des adjectifs et pour construire des phrases. Par exemple, il est grand, il est occupé, je suis fatigué, etc. Ce genre de phrases, en fait, on utilise des adjectifs, mais effectivement, ces adjectifs servent comme des verbes. Ah, on va voir juste après dans la page suivante. Donc, en fait, ici, j'ai listé deux formules. Donc en fait, comment dire, ça fait un résumé très simple pour construire des phrases simples. Alors, bien sûr, j'ai pas listé tout, mais ça couvre quand même une grande partie des phrases simples. Donc pour commencer, pour ceux qui sont en débutant ou peu importe votre niveau, ça c'est quelque chose d'essentiel à retenir en tête, dans la tête. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va regarder la première formule, sujet, verbe, objet. Effectivement, j'ai mis plein de phrases sans pinyin, j'ai fait exprès. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous ne reconnaissez pas tous les caractères, c'est pas très grave. Et je vais essayer de vous expliquer. Hein. L'essentiel, c'est de garder en tête que apprendre cette langue, au bout d'un moment, il faut s'habituer à lire seulement avec des caractères chinois et sans pinyin. D'accord? Donc ça, c'est la finalité. Donc quelque part, il faut travailler là-dessus. Donc, on va regarder un petit peu les exemples de phrases. Hein. La première, hein. Peut-être vous pouvez essayer de mettre dans les commentaires ce que vous avez compris. Hein. La première phrase, je vais attendre un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre en commentaire même les autres phrases, hein, c'est pas grave. L'idéal, c'est de suivre par l'ordre pour que je puisse savoir est-ce que vous arrivez à quand même comprendre quelques phrases. Ok? Hǎo, je m'appelle Xiaoyang. La première phrase, c'est Wǒjiào Xiaoyang. Ok? Donc, effectivement, vous pouvez regarder Wǒ, c'est le sujet, je. Jiào, c'est s'appeler. Ah, c'est le verbe. Et puis l'objet, c'est Xiaoyang. Ok? Wǒjiào Xiaoyang. Très bien. Wǒjiào Xiaoyang. Donc, vous pouvez aussi mettre en commentaire comment vous vous appelez. Ni jiào shenme? Ni jiào shenme? Ni men jiào shenme? Henhao. Ah. Je m'appelle Xiaoyang. Ok. Donc, en fait, vous allez voir, j'ai listé des phrases très très simples. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est trop facile. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire une petite révision, surtout sur la structure. Parce que j'ai pu remarquer beaucoup d'élèves, même s'ils ont un très bon niveau, mais quand en fait, quand on essaye de construire des phrases un petit peu complexes, et là, on a une tendance à déraper. C'est parce que je pense que quelque part, il faut toujours se rappeler cette formule et ça nous aide toujours à, comment dire, éclaircir un petit peu ce qu'on a, enfin, sur toutes les doutes, hein, je vais dire. Ok? Ah, 我叫鲁道夫，很好。Je m'appelle Rodolphe. J'ai traduit. 很好。Très bien. Donc, la deuxième phrase. 第二个, hein, 第二个. 第二个, tu sais. Deuxième phrase. Donc, c'est 我是老师。Donc ici, je, hein, c'est toujours le même sujet, je. Hein. 是, c'est le verbe être. 老师, c'est le complément d'objet. Donc, je suis professeur. C'est la même chose qu'en français. Donc, c'est 我是老师。Vous voyez, c'est pas très difficile, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ensuite, la troisième phrase, vous pouvez continuer à mettre.
我是老师。很好。我是一个学生，Christian 啊，我是一个老学生，是像你 lab 阿姐，很好，很好，très bien. Je vois que en fait vous avez tous compris 啊，很好，nous apprenons le chinois. Donc deuxième phrase，我是老师，je suis professeur. OK，我是老师。Donc la troisième phrase, très bien, vous vous apprenez le chinois. Ah, c'est vous, hein, c'est pas nous. Donc, ni men xue zhongwen. Ah, ni men xue zhongwen. Donc, c'est vous, c'est le sujet. Apprendre, xue, et le complément d'objet, zhongwen. OK? Ni men xue zhongwen. Hen hao. Très bien. Je continue. Effectivement, ce soir, il y a pas mal de choses. Ensuite, le quatrième.第四个句子是什么？第四个句子是什么？Qu'est-ce que c'est？哈，你好，Alexandre，vous étudiez le chinois，很好。第四个句子是你去商店，你去商店，c'est tu，c'est le sujet，le verbe c'est aller，去啊，ça c'est le ça rejoint à notre premier cours。en live, en début, hein, au début. Donc, tu, c'est aller, et shangdian, c'est boutique. OK? Donc, c'est tu vas dans la boutique. Ah, tu vas au magasin. Hein, hao. Très bien. Ni tu shangdian. Donc, pour tout le monde, en fait, n'hésitez pas, même si, en fait, j'essaye de vous traduire, n'hésitez pas à répéter après moi. Donc, profitez aussi de prononcer en même temps. En fait, ça aide un petit peu à mémoriser toutes ces phrases-là. OK? Donc, ni tu shang dian, ni tu shang dian. OK? Allez, tu vas au magasin. Voilà. Donc, sujet, verbe, objet. OK? Avant la dernière phrase, donc c'est. Tu. Tu, c'est ce Ah, si huan, hen hao. Donc, le verbe au milieu, c'est si huan, aimer bien. Ah, si huan, ici. Si huan. Donc, c'est. Elle aime, voilà, Jean-François, elle aime les plats chinois. Ta si huan zhong guo cai. Donc c'est la même chose qu'en français, il n'y a pas de piège. Donc c'est elle aime des plats chinois. Ta si huan zhong guo cai. OK? Hen hao, c'est tout bon. Hen hao. La dernière. Ah. La dernière,最后一个. Il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est? La dernière phrase. Tac. J'essaye de ne pas trop. La dernière. Donc c'est il. Il. Ta kan. Ah, ta kan. Dianying. Ta kan dianying. Vous pouvez essayer d'écouter et de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Ta kan dianying. Il regarde un film. Il regarde un film. Donc il regarde. Film. Donc, ça suit toujours cet ordre-là, sans piège. OK? Donc, jusqu'à là, tout va bien, n'est-ce pas? Alors, maintenant, vous allez regarder la partie à droite. Donc, quand on va construire des phrases dans une langue étrangère, je pense qu'il faut quand même savoir la transformer en une phrase négative. Donc, en chinois, c'est assez simple. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai mis en fait la négation avec le mot pou. Ah, pou. OK? Pou. C'est un mot qui sert à faire de la négation en chinois. Donc, vous pouvez regarder la partie en vert. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le pou juste devant tous les verbes. Donc, la phrase, ça devient 我不叫小杨. Je m'appelle pas Xiaoyang. 我不是老师. Je ne suis pas professeur. OK? Et 你们不学中文. Vous n'apprenez pas le chinois. 你不去商店. Ah, tu ne vas pas au magasin. 她不喜欢中国菜. Donc c'est elle n'aime pas les plats chinois. La dernière, 她不看电影. OK? 她不看电影. Donc, est-ce que tout va bien? Jusqu'à là,
Je pense que c'est assez simple. Il y a pas de choses compliquées. C'est plus tard les choses plus compliquées. OK? Très bien. Très bien. Donc, jusqu'à là, en fait, cette page, ça couvre, en fait, c'est vraiment une récap de la formule, principale pour construire une phrase simple. D'accord? Sujet, verbe, objet. Ok? Très bien. Donc, effectivement, il y a quelqu'un à excusez-moi pour la prononciation, donc utilise pou dans quel temps? Ah, effectivement, ici, on est en train de parler de présent, ah, ou futur. Ok? Donc, on utilise le bout. Effectivement, j'ai une vidéo à partager avec vous après le cours, donc à suivre notre replay de cours. Vous allez retrouver un lien de vidéo sur la différence de bou et mais, un autre mot qui sert à faire la négation pour du passé en général. Ok? Très bien. Donc jusqu'à là, tout va bien. Alors, on va regarder ensuite. Donc, deuxième formule, sujet, adverbe plus adjectif. Comme bon, effectivement, vous discutez entre vous, Robert. Donc, en fait, le deuxième formule, ça couvre quand même une grande partie des phrases en chinois. Alors, ici, vous allez voir, en fait, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, ce sont des phrases qui sont construites avec des adjectifs. Ces adjectifs-là, ils servent comme des verbes. Donc, c'est-à-dire, s'il y a déjà un verbe dans une phrase, donc il n'y a pas besoin de remettre le verbe encore une fois, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans cette formule, c'est sujet, adverbe de degré, très, extrêmement, trop, etc., plus un adjectif. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez voir en fait comment construire. C'est quel type de phrase qu'il s'agit ici. Hein. Donc en fait, la première phrase, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre en commentaire? Shemaïs, dis-tu, dis-tu. Si, si, Gatel. Donc, la première phrase, ah, il est grand. Ah, ta hen gao, il est très grand ou il est grand. Ça peut être traduit par les deux. Ta hen gao, donc c'est il est grand. Donc, si vous regardez dans cette phrase, donc il, c'est ta et hen, c'est très. C'est un adverbe de degré, en très. Et gao, c'est un adjectif qui est en rapport avec la taille de quelqu'un. Ok? Et en français, on dit il est grand. Donc, on a utilisé le verbe être, n'est-ce pas? Donc, effectivement, si on a on va essayer de traduire depuis le français en chinois, bah forcément, on va pas forcément utiliser comment dire, le verbe correct, parce que en chinois, on n'utilise pas le shi, n'est-ce pas? Donc, effectivement, j'ai préparé j'ai préparé une page avec toutes les erreurs qu'on entend souvent chez les francophones. Donc, vous pouvez voir sur la partie à droite, en rouge, donc c'est souvent on a une tendance à dire il est grand, on dit ta shi gao. Ah, ta shi gao. Cette phrase n'est pas correcte. Hein. Donc, il faut dire ta hen gao. Ah, ta hen gao. OK? Donc, ensuite, on peut dire ta hen man. Man, ah, j'ai mis un slash hein, pour dire que ça peut être une autre possibilité. Donc, tahen man, ça veut dire il est très occupé. OK? Ou il est occupé. Voilà. Tahen man, ah, tahen man. Alors, pour faire. Donc, effectivement, vous voyez erreur à droite, souvent on dit tâche, on cherche à traduire de français vers le chinois. Donc forcément, on cherche le mot, le verbe être. Dans ce cas-là, en fait, il faut vraiment habituer à ne plus utiliser le verbe. C'est parce que ces adjectifs grand et occupé se sont traduits par
être grand, être occupé. Donc, en fait, ils se servent comme des verbes. Donc, il n'y a plus besoin de mettre un verbe devant. Par contre, il faut mettre un mot de connexion en tant que... ici, c'est l'adverbe. Hein, 很, très. OK? 很. 他很高. Très bien. Alors, maintenant, regardez la deuxième phrase. 第二句. Hein, 第二句. 我的中文, 很... Ah, effectivement, il y a beaucoup d'élèves ont déjà mis la... Très bien, continue comme ça. Donc, en fait, c'est « Mon chinois est très bon ». Ah, « Mon chinois est très bon ». « 我的中文很好 ». Ah, « 我的中文很好 ». Donc ici, le « bon », il est placé juste après le « 很 ». Ah, donc, en fait, ici, le « adverbe » qui serve comme un mot de connexion. Parce que... dans une phrase, quand il y a seulement le adjectif, il faut quand même avoir un mot de connexion pour lier le sujet avec l'adjectif. Ah, donc en fait, c'est pour ça. Vous voyez, tous sont des adverbes. Ah, et une petite coupure. OK? Très bien. Donc, il faut les mots en rouge, ce sont des mots de connexion. Donc, ce sont des adverbes. Trop, très, extrêmement. OK? OK. Donc, deuxième phrase. 我的中文很好. Donc, souvent, j'entends... cette erreur, j'entends pas très souvent. Ah, 我的中文是好. Ah, parce qu'on essaie de traduire être bon. Ah, donc, faut pas dire 是好, c'est 很好. 很好. OK? Donc, la troisième phrase. 第三句, 你很热, 你很热, dire, ça veut pas dire tu es très chaud. Oui, le je, c'est un adjectif qui signifie chaud, mais il sert comme un verbe. Donc, ça se traduit par avoir chaud. Donc, c'est plus être, hein, c'est plus comme les deux premières phrases. Donc, ici, par avoir chaud. Ah, donc c'est ni hen je. Ah, c'est pas il fait chaud, c'est il a chaud. Ah, il a chaud. Ok? Il a chaud. Ah, pardon. Tu as chaud, excusez-moi. Ni hen je, c'est tu as chaud. Ok? Donc ensuite, la douzième phrase, le deuxième mot, donc c'est ni hen leng. Leng, c'est froid. Ni hen leng. Ah, tu as froid. OK? Donc, ça se traduit par « avoir froid ». OK? Tout va bien? Donc, effectivement, j'ai mis une phrase fausse, mais j'ai jamais entendu de parler de ça. Mais je l'ai même au cas où. Donc, c'est « faut pas chercher à traduire « avoir chaud ». Donc, « avoir » en chinois, c'est « yo hein, ». Yo. Donc, on ne peut pas dire « ni yo je hein. ». Mais cette phrase, j'ai jamais entendue, mais je pense pas que vous allez de faire des phrases dans, à ce sens-là. Mais c'est juste garder en tête, c'est « ni hen je hein, ». Ni... OK? C'est « tu as chaud hein. ». Ce n'est pas « être hein, », c'est « avoir chaud ».« Ni hen leng », »,« tu as très froid ». OK? Donc, ensuite, la dernière phrase. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai écrit « kaosuo ». Mm-hmm. Robert, tu es très heureux. Ah, oui, oui. 你非常高兴. Ah, 你非常高兴. Tu es extrêmement content ou tu es extrêmement heureux. Ah, d'accord? Donc, 非常, ah, le mot en rouge, 非常 signifie trop, extrêmement. OK? Extrêmement. Donc, tu es extrêmement content. Donc, effectivement, dans ces phrases, on ne peut pas dire « ni kaoxing ». Il manque le mot de liaison, de connexion. Donc, c'est « feichang », c'est un adverbe. Donc, c'est « ni feichang kaoxing », qui montre, qui indique le degré de ce verbe « être content ». Trop, un petit peu, pas assez, etc. Donc, ici, « feichang », c'est « extrêmement content ». Ah, je suis trop contente. 你非常高兴, 你非常高兴. OK? 很好,
Donc, on ne peut pas dire « 你是高兴啊”ça, j'entends des fois cette phrase-là, « 你是高兴”non, c'est fausse. Donc, « 你非常高兴”ou « 你很高兴”啊, on peut utiliser, on peut alterner les adverbes de degré en fonction de contexte, hein, bien sûr. Donc, « 你很高兴”c'est « tu es très content » et « 你非常高兴» c'est « tu es très très contente ». Ah, tu es très très content. Ok? 很好。高兴。最后一个。La dernière. Ici, effectivement, il s'agit d'une formule très plus le à la partie en rouge. Je vais aussi partager une vidéo après notre cours dans la publication de replay pour vous donner, vous expliquer comment utiliser le très plus le. Donc, en fait, pour faire court, très le signifie trop, extrêmement. Ah, c'est à peu près la même chose que le 非常. Par contre, le 太est toujours utilisé avec le 了. Ah, faut pas oublier. Ok? 很好 Rodolphe. Ah, 我真的非常高兴. C'est encore mieux. Donc, il a ajouté le 真的, ça veut dire vraiment, extrêmement content. Ah, 我真的非常高兴. 很好. Bon, effectivement, vous vous échangez entre vous, c'est pas mal. Mais alors, j'essaye de diffuser pas mal de commentaires. Hein.Donc, « ta tai lei le ». Donc, la dernière phrase, « ta tai lei le ». Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire ?« Ta tai lei le ». Elle est extrêmement fatiguée. Hein? Elle est trop fatiguée. Hein? « Ta tai lei le ». Pou neng xue zhong wen. Elle est trop fatiguée, elle ne peut pas apprendre le chinois ce soir. « Ta tai lei le ». Ok ?« Ta tai lei le ». Hen hao. Donc, on ne peut pas dire « ta shi lei ». À droite, hein, la phrase fausse. Donc, on ne peut pas dire « ta shi lei », hein. C'est « ta hen lei », elle est très fatiguée. Ou « ta tai lei », elle est trop fatiguée. Ok ? Hen hao. Donc, maintenant, vous avez pu voir les phrases correctes et les fausses. Donc, maintenant, on va regarder la négation. Ah, c'est encore avec le mot « pou », hein, « pou » qui sert à faire la négation pour le présent ou le futur. Donc ici, on met tout simplement le « pou » devant l'adjectif. Donc en fait, si vous regardez la formule ici, on va remplacer l'adverbe directement par le « pou ». Ok ? Donc c'est-à-dire, dans la négation, on n'a plus besoin l'adverbe de degré. Pourquoi ? Ben, c'est un peu logique, parce que l'adverbe de degré, à la base, c'était pour montrer le degré. Est-ce qu'il est très content ou il est un petit peu moins content ? Pas trop. Hein. Si on veut donner, faire de la négation pour dire il n'est pas content, tout simplement, on utilise le mot pou. Donc, ça devient cette phrase. Hein. Tu n'es pas content. C'est ni pou gao xing. Ok ? Ni pou gao xing. Ah, on ne dit pas « ni pou hen gao xing » ou « ni non plus ni pou shi gao xing » ni de verbe « être » ou « avoir » et ni d'adverbe « hen » ou « fei chang ». Ok ? Donc « ni pou gao xing » Donc, on revient sur le début. Donc c'est « ta pou gao » Il n'est pas grand. « Ta pou gao » Et « ta pou mang » Il n'est pas occupé. Et souvent, cette phrase, peut-être ça peut vous servir quand vous ne comprenez pas quelqu'un en face qui parle chinois. Vous pouvez dire « 我的中文不好», « mon chinois n'est pas bon ». Désolé. « 我的中文不好 ». Ok ?« 我的中文不好». Donc, « 你不热», tu n'as pas chaud. « 你不热 ». Et « 你不冷», et tu n'as pas froid. Ok ?« 你不冷». Donc, la dernière phrase, 最后一个。他不累 On ne peut pas dire 他不是累 C'est 他不累 Ok Est-ce que j'ai raté beaucoup de commentaires Est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien C'est assez clair Elle est trop fatiguée. 很好. 很好. 非常. Donc, en fait,
Vous pouvez constater en fait tous les adverbes de degré, pardon. Donc c'est hen, très, hein, tout ce qui est en rouge, feichang, extrêmement. Et tai, trop. Hein. Tai, effectivement, ça peut être effectivement, le trait, ça peut être quelque chose de positif, ça peut être aussi quelque chose négatif. Ah, par exemple, si je dis ta trait, ça veut dire elle est trop, donc c'est un petit peu négatif. C'est parce que elle est tellement fatiguée, elle n'a pu rien faire. Et si je dis tai gaoxing le, donc c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Donc ta tai gaoxing le, elle est trop contente. Hein, ta tai gaoxing le. Donc effectivement, le tai et le peut être servi pour des choses positives. Des choses. Très bien. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et n'hésitez pas à partager le cours, s'il vous plaît. De commentaires, j'ai un petit peu de mal à enseigner et puis suivre les commentaires en même temps, c'est pas simple. Alors, ,非常好, ah, 很好, 明白, ah, 明白了, 明白了, 很好, tu as compris, Julien, 很好. Très bien. J'ajoute un petit mot. Ah, effectivement, vous allez dire, bah, ce soir c'est trop facile et puis c'est des choses que je connais déjà. Attendez un petit peu, parce que la prochaine fois, quand on va reprendre le cours, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire ajouter d'autres compléments de temps, de lieu, de manière avec quelqu'un, etc., dans une phrase. Et souvent, ce genre de phrase, ça perturbe un petit peu. Beaucoup même à tout le monde. Hein. Donc, on va essayer de zoomer sur ce genre de phrase pour que vous puissiez, comment dire, approfondir un petit peu les connaissances. Et surtout, l'importance, c'est de pratiquer. Voilà. Donc, l'exercice à faire pour la semaine à venir, et vous pouvez mettre en terre dans notre groupe Facebook. Apprendre le chinois avec Easy Chinois et je vais suivre vos exercices et je vais le. Effectivement, vous pouvez utiliser ces deux formules et vous pouvez mettre toutes les phrases que vous connaissez, hein, histoire de vous entraîner un petit peu et familiariser avec cette formule. OK? 很好. 很好, très bien. Est-ce qu'il y a des... Non. 谢谢, Pascal. 很好. Donc, faut toujours garder cette formule en tête, hein, tout au long de votre apprentissage. OK? 很好, Hélène. Merci beaucoup pour votre... effectivement, tous les élèves de mes classes vous propose de prendre. Effectivement, si vous voulez vraiment suivre des cours bien structurés et semaine par semaine, et n'hésitez pas à nous contacter soit par mail ou vous venez sur notre site voir plus d'informations. Des apprenants me demandent comment ça se passe le cours. Effectivement, en fait, ce sont des cours en petits groupes, en visio. On fait une heure de cours par semaine en général. Et après le cours, pendant le cours, je vais dire plutôt pendant le cours, en fait, on va interagir avec les. Moi, je vais interagir avec les élèves, donc c'est-à-dire en fait j'écoute et je les corrige et j'explique. Vraiment, c'est comme si on fait des cours en présentiel. Et après cours, en fait, chaque semaine, les élèves ils vont faire des exercices et par la suite, je vais les corriger, hein, semaine par semaine,
sur la prononciation, sur l'écrit, sur plein d'autres choses. Donc en fait, vraiment, ça c'est quelque chose de très important, surtout quand on apprend cette langue-là, on a besoin d'être corrigé en permanence. Donc ça c'est quelque chose vraiment très intéressante pour les élèves. D'ailleurs, en fait, ils apprécient vraiment cette partie qu'on trouve pas toujours à avoir quelqu'un qui corrige, qui les corrige en permanence. Donc, n'hésitez pas, parce que les places sont très limitées. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre place. Ok? Très bien. Si c'est Irène, si c'est Hélène. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Bah, je pense que forcément, il y a beaucoup de commentaires. J'arrive pas à tout lire ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katel. Très bien. Donc, n'hésitez pas à faire vos exercices. Hein. Ça, c'est très important. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ah, je vous dis à la prochaine. Ah, on va continuer sur la construction des phrases en chinois. Ok? Ça vous va? 很好. Très bien. 再见. 再见 Bruno, je pense. Bruno. 再见. Bon, je vous dis à très vite et puis passez une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. 再见.